morning routine, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, comme d'habitude, mon compte Instagram s'affiche juste ici. N'hésitez pas à m'y rejoindre parce que c'est là-bas que je pose vraiment tous les jours. Et bah écoutez, c'est parti. C'est parti, je me lève aux alentours de 8h, j'embarque tout ce qui traîne dans la chambre, les biberons, tout ce qui contient le lait, les bavoirs et tout ça, et je sors de la chambre. Soit elle est déjà réveillée, soit elle dort encore, du coup je la laisse se réveiller tranquillement, c'est ce qui se passe là, ici. Et pendant ce temps-là, je vais ouvrir tous les volets. Si jamais elle est déjà réveillée, en fait, soit je change la couche et Tanguy l'ouvre tout, soit l'inverse. Hello, Jeffrey. Je dis bonjour à toute la famille, Didier, Chacha, Jeffrey, le majordome en carton, enfin en plastique, mais vous m'avez comprise. Et je vais donner à manger aux chats. Le matin, ils ont des croquettes. Ensuite, je ramasse les gamelles du soir précédent, tout simplement parce que je leur donne de la pâté le soir. Je lance le café, ma vie, le café. Dites-moi en commentaire si vous préférez le thé ou le café. Moi, je ne peux pas m'en passer. Dites-moi ce que vous buvez le matin, en fait. Et je change l'eau des chats 2 fois par jour. Donc, je fais le matin également. Ensuite, j'essaye toujours de boire avant mon café un grand verre d'eau avec mon cachet. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai un traitement de fond pour essayer de faire passer ces maux de tête. Ça fait 3 mois bientôt sans accalmie. Et ils sont toujours là. Ils sont bien accrochés. Et ensuite, je vais mettre un pantalon. Mon cul ne rentre plus dans ce pantalon. Me demandez pas pourquoi j'ai mis mon pantalon à ce moment-là. Je suis allée déposer un biberon préfet en fait pour Iliana que je vais lui donner dès qu'elle se réveille. Et en attendant, je me prends des céréales, c'est mes préfs, celles-ci de My Messi, je les aime trop. Je me sers un café, j'essaye de me limiter à juste un café. Ah, c'est l'appel du café. Fais réveiller mon bébé. Mais la réalité, c'est que j'ai jamais le temps de le boire en fait. C'est vraiment le moment où elle se réveille. À chaque fois qu'on va manger ou boire un truc ou quoi, elle se réveille à ce moment-là. Du coup, je vais directement la changer. Mais si jamais elle est morte de faim, évidemment, je lui donne d'abord le biberon et je la change après. Mais le plus souvent, on va d'abord faire le change. Au moins, je sais qu'elle est bien, qu'elle est confortable. Poussez-vous, caméraman, poussez-vous, merci. Oh, pardon. Encore. Arrête, hein, tu as tout bousillé. Et ensuite, je file dans le canapé et je lui donne son biberon. Un coup de main du caméraman pour le biberon. Ah ouais? Ouais. Moi j'arrive tout seul à le faire. Du coup, à ce stade-là, 90% du temps, j'ai pas encore pris mon petit-déj, mais c'est pas grave. Je vais la poser dans un transat qui est électrique, en fait, qui se balance tout seul. C'est vraiment trop trop cool, ce truc-là. Quand elle était toute petite, c'était vraiment pas son truc. Et bon, là, maintenant, elle est encore toute petite, mais elle a bientôt 3 mois. Et maintenant, elle kiffe vraiment. Ce que je fais maintenant, c'est que je débarrasse parce que je vais commencer à bosser, en fait. Et je déteste travailler dans le bordel. Je ne supporte pas. Donc, je mets mon bol de céréales à mon bureau. J'irai réchauffer mon café tout à l'heure. Et je passe l'aspirateur. Enfin, vraiment, j'essaye d'être dans une ambiance propre et rangée. Je mets mon café dans le micro-ondes, mais je le lance pas tout de suite. Je le ferai tout à l'heure. En attendant, je vais à la boîte aux lettres. Je regarde s'il y a du courrier, des colis, et vous allez voir que quand il y a un colis, je recycle ce qu'il y a à recycler direct, je casse le carton et je vais le mettre direct à un endroit où après, voilà, dès qu'on va à la benne à carton, on emporte tout, mais vraiment j'essaye de pas trop laisser traîner parce que c'est vite le bordel à la maison étant donné qu'on reçoit pas mal de choses, et je vais continuer à ranger un peu le bordel. Il fallait que je vide le lave-vaisselle aussi parce qu'on lance le lave-vaisselle à peu près tous les 2 jours, je pense, quelque chose comme ça. Et je le re-remplis direct parce qu'on avait trop la flemme de faire la vaisselle. On l'a laissé traîner dans l'évier étant donné que le lave-vaisselle était en train de tourner. Et voilà, je range, je jette un œil parce que en fait son transat qui se balance tout seul, je le trimballe partout dans la maison avec moi pour pouvoir la surveiller. Et du coup, dès que je vois qu'elle s'est endormie, je vais la poser dans son lit. Mais là, elle s'est réveillée quand je l'ai posée. Je suis trop prête. Finalement, elle s'est rendormie assez rapidement, donc je peux retourner un petit peu à ce que j'étais en train de faire. Je lave les biberons, je laisse traîner au minimum les biberons, faut vraiment pas les laisser traîner trop longtemps. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je récupère mon café que j'ai fait un peu réchauffer au micro-ondes et je vais enfin pouvoir aller le prendre. Je vous jure, moment de bonheur ultime, mon café devant mes mails. Je kiffe ce moment, un truc de ouf. Je sais, ça fait pas rêver comme ça, et pourtant, moi, j'adore ça.
Je suis minimum une heure sur mon ordinateur, ça peut aller de 1 heure à 3-4 heures où je fais mes mails, où je m'organise, où je fais un milliard de trucs en fait. Après ça, direction la salle de bain. Oui, tu veux qu'on fasse une transition, genre tu mets un coup de pied, t'es maquillée? Oui. On est très fort en transition coup de pied. Mais c'est exactement ce que je voulais faire, on est... Ah ouais? Regarde d'ailleurs. Bah, bon courage. C'était un peu dur. Ouais. Je vais avoir un sourire, à chaque fois je vais être là pour cette position avec tout en caméraman. Ah ouais, il va falloir changer le caméraman. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé pour venir faire caméraman de salle de bain. Par contre, en ce moment, je me douche le soir, donc je vais juste me laver le visage. Ah oui, là, c'est un placement de produit. Non. Oui, c'est un placement de produit. Oh mon Dieu. T'as tes droits de placement de produit, toi. Voilà, c'était magique, je me suis dit que j'allais le laisser au montage. En ce moment, je teste ces produits de Jun. Je teste aussi un nouveau contour des yeux pour la journée. J'ai toujours le même pour le soir, celui que j'ai utilisé dans ma night routine. Mais pour l'instant, j'en suis contente. Après, j'ai pu tester que les textures et ce genre de choses. Enfin bref, je vous en reparlerai quand j'aurai bien testé. Donc, je me nettoie le visage, je mets ma crème de jour et mon contour des yeux. Quelle transition de folie! Si jamais vous voulez mon go-to make-up, je vous mettrai une vidéo dans la barre d'infos, c'est toujours le même. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai toujours plein de trucs à faire dans la pièce maquillage, donc j'y vais. Et là, j'allais faire justement des stories, parce qu'aujourd'hui, je vous ai fait remporter, enfin, je suis en train de faire remporter sur Instagram ce coffret qui est magnifique, rempli de make-up que j'adore. Bien sûr, tout est neuf, évidemment. Et bah écoutez, si jamais ça vous intéresse, c'est sur mon compte Insta aujourd'hui, certainement demain encore, mais pas très très longtemps, c'est des concours que je fais plutôt en express en fait. Et ensuite je regarde un petit peu ce que j'ai reçu cette semaine. J'avais reçu un colis avec les nouveaux mascaras bourgeois et dedans il y avait aussi cette décoration. J'ai trouvé ça trop cool franchement. Oh mais que c'est beau. Regardez. On te voit même pas tellement t'es prêt. Tanguy. Et ensuite direction le canapé où je vais pouvoir aller regarder le dernier vlog. C'est Tanguy qui fait le montage pour la chaîne de vlog et moi pour la chaîne principale. Chacun sa chaîne. Mais du coup là il fallait que je le regarde parce qu'il venait de finir de le monter. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de me suivre sur la chaîne de vlog, n'hésitez pas. Et c'est donc la fin de cette morning routine. Fin de la morning routine. A plus dans le bus. A plus dans le bus.